Bonsoir à tout le monde. Alors là, je viens pour une petite vidéo, assez rapide pour vous montrer comment enlever facilement le fruit du bissap que j'ai là. Là, c'est le bissap blanc et là, c'est le bissap rouge. En ce moment, c'est la période. Donc, pour le faire, c'est assez rapide. Quand on recueille le fruit, on aura ça, cette noire qui contient à l'intérieur les graines qu'on va pouvoir semer. Les graines, quand elles sont blanches comme ça. Mais, attendez. Ça ne vient pas. Ce sont des graines en fait de cette taille. Je vous montre. Pour le moment, elles sont blanches, mais quand elles vont sécher, elles vont devenir noires. En fait, ce sont des graines comme les. Presque comme les graines qui se trouvent dans le gombo. Ça en fait. Oui, je le mets ça. Et quand ça va sécher, ça va devenir noir. Alors, comment faire? Juste de passer le couteau là à ce niveau et le tourner. Donc on tourne, le tour quand on l'a fait et on pousse facilement en haut et vers le fruit de même. Comme ça, on tourne, on fait le tour et on pousse vers le bas et là, tac, tac. Donc facilement, on récupère le fruit. C'était tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Moi, je vais préparer ma confiture. Vous pouvez retrouver la vidéo. Parmi mes vidéos que j'ai déjà publiées. Ciao!